Bonjour Ryan. Bonjour. Sinon, comment il est? Il est là au même. Super. Nous, on est venu faire un petit point après cette période de pluie et voir un petit peu au niveau des produits, fruits et légumes. Alors, après le passage du cyclone Belal et plusieurs pluies à quelques semaines après, on a subi une forte augmentation au niveau des prix des légumes et on a subi aussi beaucoup de pertes au niveau de nos cultures. D'accord. Quand tu parles culture, c'est sur les terrains. Voilà. Nos terrains agricoles qui se trouvent sur la plaine des CAF essentiellement, où on a perdu, parce que nous sommes essentiellement des producteurs de salades, d'aromates et de bread, où on a perdu plus de 4000 salades par exemple. Voilà un peu les chiffres. On a perdu aussi beaucoup de bread, donc voilà. Ok, mais sur l'activité en elle-même, avec l'ensemble des produits, quel est le plan de travail que vous mettez en place en ce moment? On a essayé au maximum de réduire nos marges parce que ça va être compliqué de proposer des produits frais de qualité avec un bon prix. Donc on a essayé de baisser un peu nos marges pour permettre aux clients de pouvoir en acheter malgré les difficultés financières qu'ils peuvent y avoir. Voilà, et du coup, on fait avec, hein, comme il dit. Hein. Bah, tout à fait. Et la répercussion au niveau de la clientèle? La clientèle, tu auras toujours des clients qui auront besoin de ces produits essentiels comme la tomate, les concombres, tout ça. Ils seront obligés d'en prendre malgré le prix. Après, tu auras des clients qui vont quand même râler un peu. Après, je le comprends, c'est difficile, donc voilà. Un retour à la normale, vers quand à peu près? Un retour à la normale d'ici un ou deux mois, j'espère, avec un bon temps, j'espère. Oui, une bonne météo. Il fait beau aujourd'hui, mais ouais. D'ici deux mois, ça, c'est quel mois exactement? On est en février. Alors, on est en février, on va passer au mois de mars, puis au mois d'avril, donc j'espère que ça va mieux aller. On espère, en tout cas nous les agriculteurs, donc voilà. Depuis que vous avez combiné cette partie épicerie sur le tampon? Alors la partie épicerie s'est développée naturellement en fait, je veux dire, parce que le dimanche on est ouvert toute la journée, donc on a des clients, la clientèle de passage, des clients qui sont habitués aussi, peut-être qu'ils préfèrent pas aller chez les grandes surfaces, et voilà, ils viennent chez nous et ça se passe bien. Ça tombe bien, j'étais dans une grande surface du sud précédemment. Et quand je vois le kilo de tomates à 6 euros, ils sont complètement pourris. Chez vous, ça se passe comment? Alors, chez nous aussi, on est à 6 euros, mais on essaye de proposer des produits de qualité. On essaye, hein, comme j'ai dit. C'est pas facile, mais voilà. Après, les grandes surfaces, ils sont que des revendeurs, ils ne sont pas des producteurs. Ce qu'il faut que les gens comprennent bien, c'est qu'ils prennent chez les agriculteurs qui ramènent dedans une centrale d'achat qui vont redistribuer chez Carrefour et Leclerc. Donc, ou autre magasin. Voilà, ou autre magasin. Peut-être comment vous démarquez un petit peu en ce moment et prochainement par rapport à l'ensemble des professionnels du même activité? On va essayer de se démarquer au niveau des produits qu'on propose. Je veux dire par là quoi, les produits qui sortent de chez nous. On va essayer d'en avoir plus régulièrement et voilà. Très bien, on sera accueillis peut-être en plein champ, ouais, pour voir bientôt. Un petit peu comment ça se passe. Oui, bientôt. Super, et voilà. Cette nouvelle Web TV qui vient d'arriver. Parfaite. Après 3 ans, un des partenaires phares, Chandelle Fruits et Légumes. C'est ça. On a attendu longtemps, mais c'est une bonne nouvelle. Et n'oubliez pas de partager. Très bien, merci beaucoup. À bientôt, Ryan. Chandelle Fruits et Légumes au tampon avec Actuelle Tendance 974 et 370. Ce jeune, on va dire, gérant. Et qui essaye, eh bien, de faire le maximum pour sa clientèle sur le tampon.